Bonjour mamie Elodie, tu as décroché très vite. Oui ma chérie, j'attendais ton appel. Très bien mamie, parfait. Oui, on va voir pour faire des éléments de loisirs. Oh super mamie, va te préparer pour m'accueillir, je serai là dans une heure. D'accord, je t'attends ma chérie. Très bien mamie, à tout à l'heure. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Ici le studio, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Elo, j'aimerais accéder au plateau 26, s'il vous plaît. Très bien, Elo, je vous ouvre. Parfait, merci Paul. Les amis, donc pour cette émission, c'est parti pour voir des éléments de loisirs. Donc je vous ai réuni 4 idées différentes, donc voilà, c'est parti. Donc ma première idée, c'est tout simplement pour faire un but, vous voyez. Parce que je me dis que quand même, c'est un des loisirs assez récurrents, le foot, on va dire. Donc je me trouvais que ça pouvait être sympa. Donc voilà, j'ai mis, vous voyez, sur 3-2 des petits murets de stone brick. Hein. J'ai écarté de 3, j'ai refait pareil. Et là, tout simplement, bah hop, on va mettre ici des toiles d'araignée, pardon. Je cherchais le mot, j'en perds la tête. Comme ça, tac, et dans le haut, vous allez faire pareil. Hop, comme ça, comme ça. Comme ça. Après, vous mettez un peu comme vous voulez, mais c'est vraiment pour symboliser comme s'il y avait un filet derrière, vous voyez. Je sais que niveau rendu, c'est pas le truc le plus esthétique du monde, mais pour faire un panier de but, je trouve avec un filet, c'est le meilleur moyen, sérieusement. Donc, voilà pour la première idée. Alors, la deuxième idée que j'ai réunie, c'est un peu pour faire un panier de basket, les amis. Donc, tout simplement, vous allez prendre un petit muret, donc celui que vous voulez. Moi, là, j'ai pris de la diorite. Vous allez monter sur 3 de haut avec des barrières. Moi, j'ai pris du chêne. Vous allez mettre un petit bloc de concrete. Autour, on va mettre ici du verre, tout simplement, parce que ça fait un panneau blanc un peu sur les panneaux de basket. Donc moi j'ai pris cette couleur là parce que les vitres blanches je ne voyais pas trop avec mon pack. Donc là j'ai mis une toile d'araignée pour symboliser le filet là où passe le ballon quoi. Hop, ici on va mettre un petit panneau hop, de chaque côté. Et voilà, comme si en gros bah, on pouvait jeter le ballon pour qu'il atterrisse dans le filet. Voilà pour la deuxième idée. Alors la quatrième idée utilise vraiment des propriétés de la 1.14, donc c'est pour faire un vélo les amis. Bon, j'espère quand même que c'est assez ressemblant. Donc il va falloir que je mette ici des petites meules, donc des grindstones, je crois que ça se dit en anglais. Donc là un petit escalier, ici on va mettre une dalle en position basse, une petite trappe au-dessus. Là une dalle ici et là il va falloir qu'on aille en bas pour pouvoir mettre dans le bon sens tout simplement hop, les petites meules histoire que ça fasse les roues du vélo. Hop, donc normalement là on devrait être bon. Ouais c'est ça les amis. Vous voyez ça fait un petit peu un vélo, moi je trouve que c'est assez valide donc vous me direz ce que vous en dites mais voilà pour l'idée. Donc la quatrième idée qui est la dernière les amis, c'est tout simplement pour faire une table de ping-pong. Donc ce que l'on va faire c'est tout simplement, hop, on va mettre déjà des barrières de chêne, comme ceci. Là on va les espacer de 3, tac, comme ça. Ici on va tout simplement avoir des panneaux, hop, comme ceci. J'ai pris des panneaux de birch, mais après vous prenez ce que vous voulez. Hein. Comme je vous dis, c'est des idées que je vous donne pour vous donner des idées en déco davantage. Mais après, les couleurs, vous pouvez les modifier, etc. Enfin, c'est en fonction de vos goûts. Et ici, là où il n'y a pas de panneau, je vais mettre des petites trappes de fer. Hop. Et je me foire toujours, vous le savez très bien. Hop. Comme ceci. Et au-dessus de tout ça, eh ben, on va poser des petites carpettes bleues, bien évidemment. Parce que les tables de ping-pong bah, sont bleues, hein. Tout simplement. Donc je trouve que c'est assez bien de faire un peu des trucs de loisirs parce que c'est quand même important, ça existe dans la réalité et tout. Et sur les côtés, ici, bah, tout simplement, on va mettre un panneau. Shift. Et admettons, ici, vous pouvez mettre sur votre panneau, hop, comme si vous pouviez y mettre le score. Voilà, tout simplement, et vous faites ça de chaque côté. Hop.
Alors, je fais pas du tout de bruit avec mon clavier, c'est faux. Donc voilà un peu pour la table de ping-pong. Donc les amis, on se retrouve pour clôturer cette émission. Donc voilà, c'était sur des éléments un peu de loisirs. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Moi, je vous laisse là pour cette émission. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. Et à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Elou. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elou MC. N'hésitez pas.